La spécialité de la clinique reliée à l'historique depuis 1963 est bien sûr la phlébologie. Donc, je pense qu'on est plus spécialisé et peut-être un peu plus exclusif dans ce soin-là qu'à l'extérieur. La médecine esthétique, incluant surtout les injectables, qui est vraiment notre spécialité, c'est extrêmement connexe comme habileté avec la phlébologie. Que tout ce qui est neuromodulateur, produits injectables, PRP, et le laser aussi, pour le traitement des veines, des rougeurs, puis un petit peu des taches cutanées. Je voudrais dire aux gens qui hésitent que, premièrement, je les comprends, parce que même au niveau de la formation médicale, les médecins de famille ou certaines autres spécialités qui peuvent être consultées pour ces problèmes-là, dans leur formation, n'entendent presque pas parler de maladies veineuses. Et donc, évidemment, quand ils arrivent en pratique, ils vont dire à leurs patients que c'est pas important, que c'est pas grave ou que c'est purement esthétique. Ce qui fait que les gens, évidemment, vont pas se précipiter pour se faire traiter. Ils pensent pas que ça a une importance pour eux. Mais malheureusement, c'est faux. Et donc, pour que les gens viennent se faire traiter, il suffit de les informer, leur expliquer c'est quoi la maladie veineuse, la maladie variqueuse, puis la facilité relative aussi au niveau des soins. Donc, le confort que ça peut leur apporter. Puis après ça, voilà. C'est énormément de gens qui nous ont remerciés, qui avaient de la difficulté à faire leur journée debout. Puis un coup qu'on les a traités, ils étaient très bien. C'est là l'utilité de se faire traiter pour les maladies veineuses en phlébologie. Qu'est-ce qui maintient la flamme chez moi de vouloir pratiquer la phlébologie? Bien, c'est le plaisir de voir l'équipe qui est ici. C'est une équipe qui est formidable. Les gens sont gentils, on a des bons rapports. Deuxièmement, le plaisir aussi d'aider les gens. Et j'ai une passion aussi pour la phlébologie. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe et continuer de m'informer aussi au point de vue scientifique. Je pense que ce qui nous distingue des autres cliniques, en fait, c'est l'expérience des deux plus vieux médecins qui travaillent, dont moi comme directeur médical et Dr Zumo, qui a longtemps été propriétaire, apporte toujours son expertise à la clinique. Donc, nous sommes là aussi pour les nouveaux médecins, puis assurer toujours la formation en continu pour la plus grande qualité des soins.